Bonjour Ludovic Bonnet, merci d'être ici et de nous parler un tout petit peu de tes dessins. Alors on a ici des dessins qui sont assez particuliers, on n'est pas dans le domaine du papier usuel. Que peux-tu nous dire de ce travail, dessin 5, 6, 7 et 8? C'est des dessins qui sont faits sur papier sablé, des papiers que j'ai la machine à mon atelier qui, une fois qu'ils sont usés, qu'on s'en est bien servi pour travailler, je les colore avec des crayons, puis ça fait comme une marque, ça marque l'utilisation de ce papier-là. On voit, selon la date à laquelle il a été conçu, on peut l'associer au travail qui a été fait dans l'atelier, une espèce de jardin, tableau de bord. Oui. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme si c'était un reflet de l'état des lieux et d'un lieu de création, donc je trouve ça particulièrement intéressant que tu puisses, dans ton cas, les associer à des moments précis, à des œuvres précises. Et voilà encore que dans ton travail, une espèce de récupération de matériaux qui te sert de différentes façons. Alors la cible ici revient et tu me disais que cette œuvre-ci, ça ne provient pas de ton atelier, mais d'un autre type d'expérience. C'est aussi du papier sablé, Ludovic? Celle-ci, c'est aussi du papier sablé qui vient d'une plus grosse machine, comme on peut le voir. Puis c'est pour marquer comme mon départ, pas mon association, mais je travaille avec une autre atelier, l'atelier du bronze. Mm-hmm. On a fait plusieurs collaborations dernièrement, donc c'est un papier de la bronze. Et donc c'est aussi un papier qui a servi pour polir une œuvre d'art. Ouais. Excellent, mais merci beaucoup. Très réussi.